zijn we erin geslaagd deze week. En woensdag heeft Luigi dus zijn arbeidsovereenkomst voor 2,5 jaar getekend met A-Gent. Dus nu zijn we erin geslaagd van Luigi naar hier te halen. Dat wij op het gepaste ogenblik, als er een opportuniteit zich zou voordoen, dat we die opportuniteit ook zouden nemen. En goed, gezien ook dan de toestand met Ljubljankic en Koulibaly, dus de schorsing van Ljubljankic, die straks dan in beroep hopen we van dit te verminderen. Maar van de schorsing enerzijds en dan anderzijds dat Zlatan dan toch het WK zal moeten gaan spelen waarschijnlijk. Waarbij dat hij misschien ook later zal kunnen aan de voorbereiding beginnen. En als je weet dat Gent toch een club is die meestal vroeg, als we Europees zijn, vroeg moeten beginnen. In die optiek was het ook belangrijk van een extra spits te hebben. En denk ook dat het feit dat Koulibaly ook gekwetst was woensdag. En al die dingen hebben er ons toe aangezet van toch te opteren voor een extra aanvaller en niet voor een extra middenvelder. Donc Luigi, bienvenue à Gand. Et qu'est-ce que vous savez maintenant de la Gantoise? Qu'est-ce que je sais de la Gantoise? Ben, je suis arrivé ici, c'est vrai que je m'y intéresse depuis un petit temps et moi je suis très heureux d'arriver dans ce club. Et je sais que bon, ils font une bonne campagne en Coupe de Belgique et qu'en championnat ils sont très bien, que c'est un football qui est chatoyant, on va dire, et je crois que c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire. Tu rêves encore des Diables maintenant que tu viens ici à Gand? Les Diables sont en ordre. Ça a toujours été. Maintenant, c'est vrai que dans un premier temps, le plus important pour moi, c'est de retrouver mon jeu, c'est de retrouver les terrains, de jouer. Et être chez les Diables Rouges, de toute façon, ça passe quand tu es bon en club, ça passera par là de toute façon. Donc si je suis bon en club, ben, c'est sûr que j'aspire toujours à être international, c'est normal. Pour terminer, Luigi, bienvenue chez les Buffalo. Merci beaucoup et bonjour à tous, à tous les supporters et à tout le club.